Arafat Diguet célèbre ses millions de vues et clash sévèrement arrière Chine. Dans une de ses vidéos directes sur Snapchat, le concepteur de Motomoto, le Daichi, a remercié et galvanisé encore ses fans appelés la Chine pour leur mobilisation complète et sincère autour de son nouveau single Motomoto sorti il y a quelques jours. Et déjà sur YouTube, Motomoto a à son compteur plus de 2 millions de vues. La Chine, je suis fan et fier de vous parce que vous m'avez montré et continuez de me montrer que vous êtes prêt pour moi. Ils ont crié à cause des vues, mais j'ai reçu une seule chose qui n'a jamais été faite en Côte d'Ivoire et dans l'histoire du showbiz ivoirien. 1 million de vues en moins de 24 heures. Les gens pensaient que j'avais payé des vues, moi je n'achète pas de vues. Deux quelque chose arrive. Ça c'est un quelque chose, a déclaré Arafat Diguet. Poursuivant son direct, Arafat s'attaque encore à Ariel Chené tout en démontrant que ce dernier a effectivement acheté des vues. Petit maudit de Jida, voilà la preuve qu'il a payé des vues. Ces soi-disant sons qui ont des millions de vues exagérées. Champion, si tes sons faisaient vraiment le buzz, tu serais dans les tendances comme nous là. YouTube ne te met pas dedans parce que tes vues sont vraiment d'ailleurs. Vos clips de 2 pour 5 francs là, voilà ce qu'on appelle clip. Médique voleur de vues. Aujourd'hui, votre cul est dehors. Votre vrai visage que depuis tant longtemps, j'essaie de montrer au monde entier est en train de sortir. Si vous étiez vraiment dans les tendances, si vos sons moussaient vraiment, YouTube allait vous valider. Parce que YouTube a validé Motomoto comme deuxième tendance francophone. Ça veut dire tout ce qui est francophone au monde. Vos vues quittent où et puis on ne vous valide pas dans tendance. En plus, vous avez millions de vues. Ce n'est pas clash, je ne rentre pas dans les bassesses. La Chine, n'écoutez pas les menteurs, Motomoto dans leur corps. Tels sont les propos d'Arafat à l'endroit d'Ariel Chené. La guerre musicale est donc lancée. Et selon nos sources, Ariel se prépare à riposter.